Passe coupée par Bolduc. Perd la rondelle à son tour devant Kinley. Alexis Gendron, belle passe au point d'appui. Luneau sur sa gauche, le tir de Boutin. Bloqué devant le filet. Et Nadeau avait fait dévier. Mais non, c'est interposé juste à temps. Rondelle débattue devant le but. Autre arrêt de Rousseau. Rondelle qui demeure dans le sac de mise en jeu. Récupéré par Godette derrière le filet gaucher. Cherche l'espace harcelé par Marcel. Marcel tente de ramener devant. Tire du revers, s'arrête à la gauche du but. Malatesta au retour, arrête de la peine avec l'épaule gauche. Un bel arrêt. 14h45, on s'installe pour l'émission d'avant-match. Rempart olympique, ce sera le match numéro 2 de la série demi-finale. En entrée de zone, on a Lavoie. Lavoie revient devant. Agostino rate la passe. Un beau jeu d'Eliott Lavoie. Rondelle récupérée par les Olympiques. Voilà Véro qui détale zone neutre. La passe à Dean. Il est seul. Dean s'avance, le tir. Bel arrêt. La rondelle passe par-dessus la cage. Et c'est avec la vitesse sur l'aile droite. La passe était parfaite sur la lame de son bâton. Dean a fait la feinte. Non, il a touché la barre transversale par-dessus l'épaule de William Rousseau. Belle feinte de Dean. Carrefour et Charles Savoie, c'est gagné par Québec. Savoie pour Nors, descend du point d'appui gauche. La passe devant Rochette et la balle! Captain Scoring! C'est 1-0! Québec! Le tir de Evan Nors a été stoppé par Francesco Lapena avec la jambière gauche. La rondelle est demeurée libre devant le gardien et Rochette s'est libéré de la couverture. Pour récupérer le disque et du revers, loger la rondelle par-dessus le gardien Lapena. Avec 5-52. Robert déblaye vers le centre. Dans le territoire des remparts, Komarov premier au disque. Passe interceptée par Cole Cormier qui garde la rondelle dans le territoire des remparts. La remise devant, il est seul. Le tir et le but. La rondelle est passée entre les pattes de William Rousseau. Zachary Dean crée l'égalité 1-1. Une réplique rapide des Olympiques. Réplique importante des Olympiques. La foule n'a pas eu le temps de profiter du premier but des remparts. Et Zachary Dean, le meilleur marqueur des séries 2023, inscrit son 10e but des séries. Komarov est incapable de quitter son territoire. Cormier a fait un beau jeu pour garder le disque dans le territoire des remparts. La feinte de tir, et Dean s'est amené complètement seul devant le filet. Il a fait une belle feinte et réussi à loger le disque derrière le gardien des remparts. C'est 1-1 la marque avec 5-29 à jouer. C'est gagné par les remparts au point d'appui. Jérémy Langlois sur sa droite à Bolduc. Fin de tir, envoie une rondelle au filet. Arrête de Lapena, ça avait dévié devant le but. Rochette. Robida, le long de la ligne des buts à gaucher. Gaucher pour Robida une nouvelle fois. Robida à Nors, fin de tir. Sur sa droite à Savoie, la passe devant. Arrête de Lapena, il n'y aura pas de retour. Bousculade après les Olympiques, importante. 23 secondes après le but des remparts. Zachary Dean crée l'égalité 1-1 avec son 10e des présentes séries. Une passe à Cole Cormier, but marqué à 14-31 à force égale. Changement apporté de Boutin. Roy garde la rondelle profondément dans le territoire à Rochette. Rochette à Roy, le tir! Arrêt de Lapena, belle exécution. Truchon à Roy, le long de la ligne bleue. Sur sa gauche à Nors, le tir! Et le ball! He shoots! He scores! Quel tir de Evan Nors! Et les remparts prennent les devants une deuxième fois ce soir. C'est 2-1! Québec! Avec 11-28 à faire en deuxième période. Un tir des poignets vif, précis, de Evan Nors, qui avait du temps. Il l'a pris son temps, il a bien miré. Et il bat le gardien Lapena par-dessus l'épaule gauche. Plus marqué avec 11-28 à faire en deuxième. Evan Nors connaît de bonnes séries éliminatoires. Un bel arrêt de Lapena, un déplacement droite-gauche du gardien. Derrière le filet, ça tourne. Rochette et Maisonneuve sur la rampe. Rochette garde contrôle. Harcelé par Maisonneuve, ça passe dévie sur un patin. Huchette reprend la rondelle libre. Dans l'enclave, le tir! Arrête de Lapena avec la jambière gauche. Rochette dribble avec la rondelle le long de la ligne bleue. Permute avec Langlois. Passe à Bolduc sur sa droite. Bolduc transversal à Huchette. Passe devant pour Roy, c'est coupé en défensive. Roy reprend. Bel arrêt de Lapena avec la jambière droite. Au centre Vidéotron. Malatesta de l'enclave. Et le ball! De Kirkland, Québec. James Malatesta! But marqué en avantage numérique, 5-4. La mise en jeu gagnée clairement par Nathan Gaucher. Malatesta installe correctement la rondelle sur la lame de son bâton. Et il dégaine pour battre le gardien Lapena à sa gauche. Avec 6 minutes 17 à jouer en deuxième, c'est maintenant 3-1 Québec. But marqué en avantage numérique, 5-4. Un sixième au cours des présentes séries. Saison à Luneau, 2-45 à jouer en deuxième. 3-1 Québec au centre Vidéotron. Isaac Béliveau passe intercepté. Daniel Agostino se sauve seul devant le gardien Lapena. Le tir, bel arrêt de Lapena. Longue remise jusqu'à Rousseau qui repousse sur sa droite.
Hanelt en échec avant pour Gatineau. Passe devant. Intercepté au bon moment. Rondelle qui demande en enclave. Hanelt sur sa droite le tire. C'est bloqué devant. Et le but! Colin Ratt bat William Rousseau. Devant le filet, Davis Cooper a perdu la rondelle. Le revirement est coûteux. Et les Olympiques réduisent la marque à un but. C'est 3-2. Colin Ratt récupère la rondelle libre et bat le gardien des remparts. Le revirement dans le haut de l'enclave. Les remparts étant en contrôle. Davis Cooper a perdu la rondelle. Et de cette façon, les Olympiques ont continué à mettre de la pression. Et Colin Ratt réussit à battre William Rousseau par-dessus l'épaule gauche. Avec 2 minutes 17 à jouer en deuxième, un but important. 3-2 Québec à la marque. On va reprendre le but derrière le but. Nadeau met de la pression. La rondelle demeure emprisonnée sur la rampe. Bolduc reprend. Mauvaise passe de Bolduc. Dans l'enclave. Gendron le tire. Bel arrêt de Rousseau. Derrière le filet, Rochette et pilote à la poursuite de la rondelle. Luneau sur la rampe du côté droit. Voilà Gendron, zone neutre. Avec Nance devant lui, pousse devant. Gendron s'avance, il est seul. Gendron le tire. Arrêt de Rousseau. Avec une période pour les remparts. La rondelle est récupérée par Nadeau, sortie de zone Gatineau. Longue passe zone neutre. Gendron est seul. S'avance le tir. Touche le poteau cette fois. À la droite de Rousseau. Rapidement, les Olympiques relancent l'attaque. Riley Kidney. En entrée de zone, Noss le met en échec. Beau jeu de Noss. Kidney reprend. Coupe dans le centre. Passe devant le tir. Belle arrêt. Rondelle libre devant le filet. Parois. Ça dévient Boutin. Le tir. Rate à la droite de Rousseau. Rondelle libre. Nico Savoie à Bolduc. Accélère au centre pour les remparts. Ça mène en zone ennemie sur l'aile droite. Bolduc coupe dans le centre. À Rochette. Pour Roy. Oh, quel arrêt de la Pena. Zone neutre à Robida. Accélère en zone ennemie. Robida le tire. Arrêt de la Pena avec l'épaule gauche. Dans le coin, Charles Savoie reprend Robida. Le tir touche le poteau. Savoie au retour. Quel arrêt de la peine! Rondelle qui gauche de William Rousseau qu'on reprend l'action. À 5 contre 5 entre Rochette et Olivier sur la rampe. Nico Savoie s'interpose devant Cole Cormier. Rondelle récupérée par Charles Savoie. À Michael Huchette derrière le filet. Mise en échec solidement par Cole Cormier, perd la rondelle. Véro, mise en échec par Charles Savoie, perd le disque. De Huchette à Robida. S'avance, c'est à la balle! Juste! Robida! C'est 4-2 Québec! Avec 1 minute 40 à faire en troisième. Excellent jeu en échec avant. Les coups d'épaule de Charles Savoie et de Michael Huchette ont permis aux remparts de garder le disque en zone offensive. Huchette repère Robida et son tir est parfait pour battre Lapena par-dessus l'épaule droite. Avec 1:40 à jouer, c'est 4-2 des remparts au centre Vidéotron. Justin Robida marque son 5e des présentes séries. Excellent travail en échec avant sur cette séquence. On va reprendre entre Gaucher et Riley Kidman dans le sac de mise en jeu. Truchon part derrière son filet sur l'aile gauche et intercepté. Alexis Gendron reprend. Au point d'appui à Luneau, rate son tir. Roy s'amène vers le centre. Il n'y a plus de gardien. Amalatesta. Et le but! Avec 9,8 secondes à jouer. James Malatesta loge une rondelle dans une cage. Abandonnée. Marque son 2e du match. Et confirme la victoire des remparts dans le match numéro 1 de la série demi-finale. 4-7. C'est 5-2. Remparts. Et écoutez donc la foule. Dans un filet désert, James Malatesta confirme la victoire des Diables. 4, 3, 2, 1, c'est terminé! Les remparts l'emportent ce soir au centre Vidéotron par la marque de 5-2 sur les Olympiques de Gatineau pour prendre les devants 1-0 dans la série demi-finale 4-7 et tous les